Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'on branche Espace Famille en jeudi encore pour nous présenter un enseignement ça nous mettez disponible pour famille. Moi salut Ogal. Salut Léandi et toutes les amis qui sont branchés pour suivre enseignement ça jeudi à nous saluons nos décors spécial que nous y jeudi à Espace Famille. Oh oui, décor là très spécial. Exactement. Ouais. Pourquoi tant de séparation? Pour qui sa relation est écrasée comme ça? Jodi a, nous allons présenter au sujet ça. Les tueurs de l'amour. Les tueurs de l'amour ou bien bagay qui a tué l'amour. Souvent, ça arrive dans la relation, gen de bagay depuis yon là, yon pose gros problème dans la relation. Et en pile fois, il y a très considérable dans la relation parce que chalet qui existe ya, depuis bagay sa yo présent, chalet a disparu. Et moun yo, garçon ou bien fille, yo vin rive dans une situation côté que yo pa gen choix. Yo pa gen l'autre bagay pou yo fè que yo krasé kite ça. Gary, ki sa ou ka di nou de causer ça qui côté sujet ça nous va présenter aujourd'hui qui c'est les tueurs de l'amour ou bien les tueurs de l'amour ou bien bagaille qui a tué l'amour qui sort à dire de ça. Jean annonce là les tueurs de l'amour c'est une série de bagaille depuis arrivé dans relation que ce sont relation côté de mon fiancé ou bien même ou bien deux mon yo marié depuis bagaille ça arrivé il diminue l'amour considérablement jusqu'à ce que au tuer. C'est raison ça même qui fait jodi a nous pas le petit temps pour nous souligner 5 là-dedans. Faut nous dit que il y a plus que 5 mais jodi a commencé à 5 seulement au sur nous va bien l'autre enseignement sur yo. Mais j'en dis a en pile fois gain négligence qui fait mon a posé action non relation pendant que au pas tenir compte action ça m'a posé a qui conséquence la bien sur relation à ménage là sur bien sur relation mari sur relation madame là jodi a nous va parler de 5 là dans yo pour nous prouver que nous doutons en pile précaution gain action avant nous poser faut nous réfléchir parce que action ça objectif yo c'est tuer relation en pile fois mon parler de les tueurs l'amour au lieu de les tueurs de l'amour. Quelle différence qui gagne entre les tueurs de l'amour ou bien les tueurs de l'amour et les tueurs de la séduction ou du désir? Quelle différence qui gagne entre deux termes ça? Il y a une belle différence entre les tueurs de l'amour et les tueurs de la séduction ou bien du désir. Mm-hmm. Deuxième avant, les tueurs du désir ou bien de la séduction, c'est des bagailles qui vraiment pas considérables dans nos relations. Par exemple, deux monde qui ensemble, mais gagnent la deux par mais ben, d'où là, désir qu'à l'autre là. L'étudier désir qu'à l'autre là. L'autre là, il n'est pas considéré encore. Deux monde qui ensemble, l'autre là, par exemple, monsieur Agoma à Saint-Pierre. Ou bien, monsieur Arima fait vos sentis sur monsieur. Ça a dit. Je ne vais pas dire ça. Ça a dit. C'est l'étude du désir. C'est-à-dire, c'est des valeurs qui sont très légères. L'étude de l'amour, c'est des actions opposées où ils ont affecté les relations. Okay. Ils étaient connectés deux mounions où le lien a commencé par diminuer jusqu'à ce que ils disent, bon, moi, je vais quitter ça. Donc, une belle différence entre eux. L'étude de l'amour ou bien l'étude du désir ou bien l'étude du désir c'est deux bagages qui sont différents. Donc c'est comme si les bagages simples mon ne pas mais ben mon ne pas mais bosser bouche li bon la fort par aimer à souli ou pas bien désir pour nous ça faut nous dire ou bien tout là on a mangé l'autre là à forêt et il y a des pochettes là manger bien pour qui pas aimer ça et vous qui pas aimer ça donc c'est des bagages qui a fait mon gain moins désir pour aller vers vous-même à force que à continuer yo ka déboucher sur l'étude de l'amour ou bien l'étude de l'amour mais c'est pas qui très léger bon mon nom l'a fait gazou mon ne pas mais ben dans mes bosser boucher dans mes parfum pour
Ça paraît le mal propre. Non, le mal propre. Ça, c'est l'étude du désir. Mais l'étude de l'amour, ou bien l'étude de l'amour, c'est des actions, des proposer. Pour dire, ah, est-ce que je fais mon choix? Mon au fur et à mesure, la bras à l'école sous, jusqu'à ce que m'écrase ça. Donc, c'est la différence non, entre l'étude de l'amour et l'étude du désir. OK. Eh bien, parlez-nous de premier et sur l'amour. Là. Bon, premier sur l'amour, le premier tueur de l'amour, c'est manque d'attention. Depuis deux mois ensemble, et gagnon qui pas fait attention à l'autre là, c'est une bagaille qui a crasé relation. Lundi, attention, c'est à plusieurs niveaux. Attention, on a besoin moun. Ou cas deux mois ensemble, ou bien deux mois mariés, deux mois remis, gagnon qui ont besoin. L'autre là est capacité pour te satisfaire besoin. Cependant, il fait mes yeux, il fait comme s'il pas ouais. Donc, une action comme ça a fini par tuer ou la, regardez l'amour, la fini par tuer chaleur. L'homme dit manque d'attention encore au niveau de la santé. Mon malade, le pas encore pour le docteur ou pas même offrir pour ta menen. Ou bien ou quitter mon nom là ou pas même le cas docteur ou maladie a prolongé mon nom ou tout ça c'est manque d'attention. Mon a comprendre que lui avoir uniquement pour le plaisir. Uniquement pour le faire sexe avoir, uniquement pour le prendre son petit tout, uniquement pour le faire manger barreau, pour le laver radou, mais garder santé qui est important pour lui ou pas faire cadeau lui, le manque d'attention ça, pour le faire mon nandi, eh ben, est-ce qu'il était bien choisi, l'a commencé, voulait mettre le sous-côté par rapport à mon ça, d'où l'amour a pas affecté. Et l'autre niveau, c'est au niveau physique mon nom. Alors, je vous dirais, mais ça, fille à belle, il faut dire belle, parce que l'homme garde sous live là, ou après que madame qui se porte dans le live là, quoi que la distance, ouais, ça son beauté, d'être chargé. Donc, je dois le dire, ça c'est important. Donc, fille à rien, mais ça, physique là, il faut attirer. Il faut montrer que, ou ouais, beauté, ou elle, ou fait mon compliment, dépendamment de tempérament, parce que il y a des tempéraments qui ont pas parlé de bagage ça. Mais, l'important, le ou mettez attention à trois niveaux. Premièrement, côté besoin moun nan gagné, côté santé moun nan et physique moun nan, ou fait moun nan senti ou intéressé avec. Et si moun nan besoin ça ou montrer ça pas intéressé, mais laisse moun nan dit attention, c'est pas ton mauvais choix de ça tuer l'amour kam nan. Le premier tueur de l'amour là, c'est le manque d'attention. Okay. Et deuxième tueur là, deuxième tueur de l'amour, c'est la jalousie maladive. Le monde qui remet, il y a vivre ensemble, il y a un ladin qui jaloux jusqu'à ce que son maladie qui lie la caille. La jalousie a tellement ou la caille, il n'y a pas fait mon confiance, mon nom sorti, il faut la lever, tout ça, mon nom et pour n'importe quoi, il fait compte. Parce que mon sa jaloux, et le jaloux qu'on s'en fait une fois, ça qu'on vient rendre méchant. Parce que la jalousie a conduit à la méchanceté. Donc, il y a un monde qui a vu un monde comme ça, qui a une jalousie exagérée, et jalousie a fait souffrir, ça a fini par affecter l'amour, le monde qui a souffri pour l'autre monde. Et il faut dire ça, ni femme, ni garçon, pas de yon là-dedans qui t'a souhaité vivre avec un monde qui est jaloux. Depuis qu'on monde qui veut, ça a un problème. Ou moun nan fò santi que pa fò confiance pour rien tout le monde, ça bon problème. Et ça même qu'on porte moun yo jusqu'à ce que yo di, mais relation ça fòm mette fin avec. Donc, la jalousie maladive, c'est deuxième tueur de l'amour dans quatre enseignements qu'on a considéré. Alors, nous te présenter un sujet comme ça, côté que nous te parler de yon nan point yo, c'était jalousie. Bien sûr. Ce monde a une jalousie extrême, il fait des bagailles qu'il n'a pas même fait, et des fois qu'on arrive à tuer le monde même. Exactement. Alors, jalousie, c'est un point côté que. Alors, il n'est pas facile pour découvrir lorsque le monde a filé ou, mais au fur et à mesure où on commence à découvrir quelque chose, il faut commencer à mettre des points d'interrogation. J'en parlais, qui c'est une bagaille qui tue l'amour. Exactement. Et troisième tueur là, Gary, c'est qui ça lié? Troisième tueur de l'amour là, c'est l'absence de projet. Deux personnes qui ensemble, côté que pas de projet. Mon d'accord, Rema avol, d'accord, Marie avol, pas de projet qui fait un d'accord, comme si mon réalisé que avol là, c'est pas quoi faire le fait. Il n'y a pas fait un rien parce que nous pas de projet d'avenir. Et qui affecte les relations en pile, le pas de projet d'avenir dans nos relations, ça veut dire qu'on fait madame ou bien mari penser, eh bien, choix ça, son choix problème. Parce que des problèmes à mon nom, par exemple, projet
pour l'élève ses vacances ou pour sortir, mais avec Mounsa, pas des projets d'avenir, pas grand ken qui planifié, ton fait avant ou c'est bas quoi fait. Et ceci à plusieurs niveaux. Eh bien, le paquet projet, que ce soit dans le remède, que ce soit dans le mariage, c'est un mariage qui tue l'amour, qui fait l'une ou l'autre réaliser son temps perdu, ou t'as avancé très bien dans la société, mais depuis le monde en envie, mais c'est bas quoi fait. Donc, c'est le troisième tueur de l'amour que nous avons considéré dans le cadre d'enseignement. Quatrième tueur là? Quatrième tueur de l'amour, non, ce sont les enfants. Deux mondes qui mariés, ils t'as vivre très bien pour que quelqu'un monde. Et si on a fait une fête, Simon, il y a un changement de taille. Vous n'avez pas fait une différence entre femme et mère ou bien entre mari et père. Lorsque c'est femme ou qu'on a un mari, mère ou qu'on a un Simon. C'est-à-dire, femme doit jouer, alors, il doit jouer deux rôles, ça va très bien. Il connaît pendant que le mari a fait le monsieur mari, ça c'est la femme, et pendant que le mari a fait le monsieur Simon, ça c'est la mère. Et monsieur va faire différence entre mari et père. Pendant qu'on marie, ou c'est mari d'une femme et ou c'est père des enfants. Ça veut dire, ou est une femme, ça arrive en pile, en a kayo, moun yo marié, ou n'y a même femme, non, c'est son si moun yo seulement la prend, l'oublier existe. L'oublier Maria. Même besoin sexuel Maria négligé, et bien, ça qu'on fait Maria dit, et bien, si moun yo, il pose problème en a kayo. Et ou un papa, pendant que alors, mari, vin get Simon nan kay la, tout l'argent li concentré pour faire éducation Simon yo. Li blie besoin madame, li blie en plus fois besoin personnel pal. De là, li vin pas ka fait différence entre père et mari. Eh bien, Simon yo en plus fois, le madame a mari pa konne pour balancer, ou de ka di équation, Simon yo konne on tueur de l'amour. Pendant que, yo pou ko gen yo te bezwen, men let se moun yo vin rive, vin ko nya pa gen on discipline pou jere relation, pou jere fami, ou kon vin wè ti moun yo, yo son problème, gen moun ki di, let se moun yo pat la, ne kon al nan konser, let se moun yo pat la, ne kon al manje nan restaurant, men ti moun yo vini, pa gen bray konsa ankor, tout bray fini, men ti moun yo ni vin fèt, madame nan pa soigne bote lankor, ti moun yo vin fèt, wè monsieur ya, la machin n'importe ki jen nan la rue, parce que la jeune, c'est pour seulement vouye ti moun yo l'école, li blie pou donc en pile fois si moun yo en de famille yo kon de tueur de l'amour pendant que nous connaissons très bien que les enfants sont la bénédiction pour la famille. Et cinquième tueur là? Cinquième tueur de l'amour, c'est la routine sexuelle. La routine sexuelle. Côté que en de kaila dans la relation sexuelle pas gain nouveauté, pas gain diversité. J'en te dis ça non seulement te fait. Et tout même chambre, même cabane, dans même fait noir. Dans même l'heure, pas de diversité. Et ça peut être conseillé pour que ça ne va pas prendre la terre, pour que ça ne va pas prendre la machine, pour que ça ne va pas sortir dans l'autre côté. Une façon pour mettre chaleur, mettre du feu dans la relation sexuelle. Donc, routine sexuelle, c'est une manière qui finit par faire créer insatisfaction juste pour madame ou bien pour mari. C'est une manière qui tue la relation parce que c'est toujours la même pose là. C'est missionnaire, pas grave qu'elle l'a fait, bon, ça, moi, je ne sais pas ce que quand même, est-ce que c'est un café pose, mais quand c'est tout, même pose là, toujours missionnaire, ou pas fait l'autre, tout, même chambre, même cabane, même petit côté, même l'œil, pas de nouveauté du tout. Le routine sexuel, c'est un tueur de l'amour dans la relation femme à gaz. Voilà, en gros, c'est cinq tueurs, ça a été bleu, que nous avons appelé rapidement. Premier, c'est manque d'attention. Deuxième nan, jalousie maladive. Troisième nan, absence de projet. Quatrième nan, les enfants. Et en fin de compte, c'est la routine sexuelle. Nous sommes 5 points dans le sujet ça, qui est le tueur de l'amour. Qui conseille Gary ou gagner pour les amis ou les familles? Conseil là, le de mon ap vivre ou est 5 éléments ça, 5 bagages à répéter. Qui c'est, m'a rappelé encore, manque d'attention, ou manque de ma mari ou de madame attention. Et dans manque d'attention, c'est pas seulement vos cadeaux, non, mais le besoin d'attention, côté santé, côté besoin personnel, dans physique, li, ou avec un monde qui sont jaloux, sont malades, et pas de projet en dans Kaila. Si moun yo vin, mais comme si yo son obstacle dans la relation, madame mari pas épanoui encore, et côté sexuel, c'est routine, même bra la nous doit faire chaque jour, côté que ou senti la créer insatisfaction, de pour travail, ça pour éliminer,
tel que jalousie, ou sexuellement créer diversité, si pas de projet, faut nous planifier pour l'avenir, parce que les deux mondes ensemble, ou ensemble pour la vie, et pendant nous ensemble, faut nous grandir à tous égards, faut nous grandir à tous les niveaux. Commencez par créer projet, commencez par penser à ça, n'a pour plus devant. Qui côté nous voulons arriver dans 5 ans, qui côté nous voulons arriver dans 10 ans, en façon pour capable de garder sûr ça yo mettre au dehors au fur et à mesure en dans relation, sinon n'a pourrait nous pas gain vie en dans caille là, sinon n'a pourrait que par ça créer gros problème et finalité n'a dit préférer nous séparer parce que nous ensemble mais en fin de compte pas gain progrès en fin de compte c'est bat n'a fait et ben si ça là ça nous fait pile fois pour nous mettre au dehors. D'après merci Gary pour conseil et réponse pour vos amis aujourd'hui. Ce qui côté que nous t'a présenté au sujet sa lecture de l'amour côté que Jean Gary t'a annoncé là, c'est en série que sujet ça a pied parce que il tellement en pile nous pas qu'à présenter li jodi tout jodi a n'a présenter li au fur et à mesure. Alors Gary n'a profité pour nous saluer quelques amis qui c'est fidèle branché espace sonien et na nous pas oublier saluer tout auditeur et auditrice Radio Fraternité FMO et Christina Camo et puis Maurice et Pasteur Edline Gélin qui pas jamais lagué nous qui toujours parler avec nous et n'a dit que Espace Famille va le fêter très bientôt. Nous besoin tout le monde, mon nouveau abonné, mon yo et ancien yo qui était là déjà. Et j'ai noté nous faire vidéo déjà noté que nous besoin pour faire un coup de vidéo, une minute, pas plus parce que nous pas vraiment gain pile temps pour nous passer toute vidéo si on gain pile minute. Seulement c'est une minute pour nous faire vidéo dit qui ça et comment espace famille aider dans famille dans relation et comme ça pour nous avancer et puis devant et n'a dit Gary tout le monde ou même qui beaucoup abonné pas oublier inviter 11 amis ou même qui abonné déjà inviter 11 amis mon famille mon collègue de travail j'en ai toujours dit abonné à chaîne espace famille c'est cliquer sur bouton s'abonner au subscribe là cliquer sur cloche notification mettez sur tout ou bien all pour pas rater une vidéo que n'a posté sur chaîne espace famille voilà. Et Gary m'a connait sur on va ajouter. Non, nous sommes abdi mon Dieu, nous avons une vidéo et très bientôt, tout le bagage supposé vient nous joindre. Et nous voulons vous remercier, nous avons une vidéo déjà. Ok, oui, il y a des gens qui ont envoyé une vidéo, nous vous remercions et nous avons tout le monde. Nous n'avons pas oublié, espace famille pour un plus bon vie. Bye bye, Gary, nous avons tout. Bye bye et à bientôt. À bientôt.